Maranatha, Maranatha, Christ revient ici-bas, Christ revient ici-bas. Awesome, my God is awesome. He can move mountains, he can the valley, hiding from the rain. My God is awesome. Heals me when I'm broken, except where I've been weak, forever he will reign. Awesome, économique, malédiction et de santé que nous gagnons parce qu'il nous pas en bonne santé vraiment tout côté peuple noir et mabdo le bagarre encore peuple noir c'est les plus cancer aux États-Unis. Il leur peuple noir atteint de cancer ou mourir plus vite tout aux États-Unis. Ma toute qualité maladie, high blood pressure, diabète, toute bagarre ça c'est le peuple noir qui gagne. C'est sickle cell anémie, tout ça c'est peuple noir qui gagne. Donc toute bagarre ça imposé sur nous la détruit nous.
qui veut dire bagaille soit à la fin c'est destruction pour aller après nous mourir plus rapide. Et là nous mourir nous pas quitter rien pour petite nous. Petite nous qu'on est là pour recommencer encore, c'est soit dans gang, il y a dans toute qualité bagaille pour capable faire la vie à la fin fille fini. Toute bagaille là c'est parce que nous quitter la loi de Moïse. Oh aïe aïe. Oh chers amis. La Bible dit comme ça que et parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit, elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges pour n'avoir pas obéi au milieu de l'abondance de toutes ces choses. Servi l'Éternel ton Dieu avec joie, de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim et de la soif et de la nudité et de la disette de toutes choses tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer. Mon autre bagage qui est très important, quoi? Dans verset 48. L'Éternel, il mettra tes ennemis, non, pour mettre un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Nous sommes durant l'esclavage. Nous allons montrer une photo même côté que esclavio. C'est le seul type d'esclave dans le monde. Côté que qui t'a gagné en croque dans le couillot, t'as coup bête. Et c'est ça l'Éternel dit. L'Éternel te dit ça pour le faire. Verset 49, l'Éternel fera partie de loin des extrémités, fera partie de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle et une nation qui, dont tu n'entendras point la langue. Et nous comptons sacrifier, parce que tout côté israélien, il y a un pile. Nous te voyons ça dans un point que nous te baillons dans la première série, nous te dit que le peuple n'a pas l'empile. Maintenant, l'Éternel dit que ça. Et nous quand ouais aigle elle descend sous elle vole en l'air puis descend brrr les prend et Tibet à la lavelle. L'Éternel dit que ça c'est comme ça pour faire étranger à sortir bien loin et puis regarder nous en bas brrr il plonge sous nous. C'est ça que t'es fait avec Arabio. Arabio ouais nous t'as dans est de l'Afrique, ils ont rentré avec jam à la main, ils ont plongé sous nous en Afrique, ils ont fait nous venir esclaves au Moyen-Orient. Et portugais yo, français yo, anglais yo et espagnol yo, c'est ça au fait dans dans la partie de l'ouest. Yo plongé sous nous en Afrique, yo maré nous tant que crabe, yo mettez nous dans bateau, des millions, gen moun ki dit jusqu'à 100 millions de noirs te prend en Afrique pour aller en Amérique pour travailler comme esclave. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit et la Bible dit comme ça que et oui, on finit le verset ça verset 50, une nation au visage farouche qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. Donc nous capable voir en plus fois les blancs arrêter puis les noirs, il y a pas de pitié ni pour grand monde noir ni pour petit monde noir. La Bible dit que ce sont nos ennemis. La Bible dit que nous serons vendus à nos ennemis. C'est ennemis nous que monte arrivé. Donc c'est très important. Elle changera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de gros et de menu bétail, et jusqu'à ce qu'il t'ait fait périr. Donc, elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent, et ces hautes, fortes murailles, c'est lesquelles que tu auras placé confiance dans toute l'étendue du pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, la Bible dit entourer nous. Nous sommes allés à l'esclavage de la fête, et musulmans dans l'est de l'Afrique, et blancs européens dans l'ouest de l'Afrique, et puis et nous avons des blancs qui conquérent fait la conquête du nord de l'Afrique, donc ils cerquent le peuple noir là. Quand on a pendant ma parole là, Haïti est un pays qui est entouré. Nous entourés, peut-être nous ne sommes pas comme ça, nous entourés. Donc nous ne pouvons pas faire rien vraiment vrai. Si on a expulsé nous tout notre territoire là, esclave tout le monde dans le monde, parce que le territoire là riche, il a fait ça. Donc nous entourés, chers amis. L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura œil sans pitié pour la femme de son qui repose sur son sein. Encore, la parole que Marie et Madame. Et il y a une bagaille qui parle trop, ça c'est une malédiction. Quand on a fait un, surtout dans le fait un, pas de problème, mariage entre l'homme et la femme noire. Et si nous sommes capables de décrire ça aux États-Unis, c'est une bagaille qui est prononcée. Et la femme noire, pas qu'on est sacré les familles vraiment, et mariage, pas veut dire rien pour eux, il fait petit pour plusieurs garçons, et puis monsieur noir, même dans tout, il a fait petit pour plusieurs filles, et toute qualité des ordres, alimonie, toujours pour alimonie à payer, un paquet de désordres, c'est la malédiction de Deutéronome qui a continué la petite. Donc là, il décrit à la pirette, il dit comme ça que ni femme ni garçon, pas de pitié. Malgré que femme couche en bas avant toute la nuit, chaque soir, il fait petit, femme n'a pas de pitié pour petit qui saute dans votre nez.
et femme n'a pas pitié pour Maril et Marie a pas pitié pour madame. Et ça rappelle Matthieu 24 quand la Bible dit que ça que et la charité du plus grand homme se refroidira. Encore, c'était peuple noir t'a parlé. Parmi le peuple noir parce que le peuple noir c'est le peuple de la Bible. Oh, tout bagage ça dit comme ça que dans, si tu n'observes pas et mets en pratique toutes les paroles de cette loi dans verset 58 et dans ce livre, si tu ne crées pas sur nos glorieux et redoutables de l'Éternel, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et longues durées, par de maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte dans lesquelles tu tremblais. Et elles s'attacheront à toi, et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit de toutes sortes de maladies, de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Donc même l'autre maladie que moun pat konn en Égypte, l'Éternel dit la faire venir tel que le sida, qu'on pas qu'autre autre maladie qui vient inventer qu'on y a. Donc qui cap vient dans le peuple noir. Après avoir aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel. Là la parole de génocide. Génocide, si vous avez le génocide, le peuple noir la connaît. Nous connaissons que les Allemands font génocide en Afrique avant même la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons les Blancs, les musulmans qui font génocide le peuple noir. Ils ont pile le peuple noir. Lorsqu'ils prennent esclaves en Afrique de l'Est, ils prennent la veille. Parfois, 6 sur 10 ont mouru. Yo châtrent jeune monsieur, yo jeune garçon de 12 ans, 13 ans, châtrent yo et jeune petite madame yo, yo violé yo, on pas que petit monde 11 ans, 12 ans, 9 ans, yo violé yo, yo fait venir esclave tout Moyen-Orient. Donc yo pas reproduit dans Moyen-Orient, ça fait Moyen-Orient, il y a pas grand pile monde noir connait, c'est parce que yo maltraité yo. En pile on mouri, en pile on mouri. Depuis les années 600 et les années 600 yo, 678 comme ça, que yo commencé faire esclave de l'Afrique. Les Noirs, les enfants d'Israël, jusqu'en 1920. Donc, nous parlons plus de 1400 ans d'esclavage et par les Noirs. Jusqu'à présent, qu'on y a une forme d'esclavage subtil. Et toute année, ça y est, en pile, nous avons mouru, nous avons une nation qui dit stopper, pas faire ça. Donc, Arabes, ils ont gagné en carte blanche pour détruire le peuple de la Bible. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous périr, à vous faire périr et vous détruire. Vous serez arraché de votre du pays dont tu vas entrer en possession. Là encore, nous voyons que Congo, quand une guerre civile s'est passée là depuis 2004, et nous avons environ des millions de personnes qui mourent, des millions. Il y a des gens qui disent 12 millions, des gens qui disent 4 millions, des gens qui disent 6 millions. Mais même si ce sont millions, ce n'est pas qu'un. En Haïti, tremblement de terre là, encore, environ 300 000 personnes mourent dans 30 secondes. Et ça fait tout à travers l'Afrique, des guerres civiles. En Côte d'Ivoire, le président là, au patrie, mais forme tête la France, pas mais forme tête la guerre civile pétée, promettez-le. Et en même temps, tout, Burkina Faso, il y a Sankara, que le patrie, mais forme tête la France dit éliminer ça, et puis avec CIA, et puis on mettait l'autre nec sur le pouvoir. De tout ça, tu as un paquet de monde dans le processus. Et tout pays africain, c'est comme ça. Nous avons la guerre de Biafra avec entre les Igbo et les autres tribus, le pays de Nigeria. Et l'Angleterre a supporté Nigeria pour te tuer en pile dans Igbo. Encore les enfants d'Israël, les Igbo. Les enfants d'Israël, en pile haïtien, c'est Igbo. En pile haïtien, oh, peut-être pas comme ça. En pile haïtien, c'est Igbo, c'est Yoruba, c'est Akan. Et puis reste haïtien, c'est en pile haïtien, c'est Terra Nova, Mbundu. Il y a Mandinka, il y a Haïtien qui sont même en Madagascar, il y a qui sont en Afrique du Sud, dans le Zulu, et ratio, majorité, c'est au Congo, majorité haïtienne, c'est congolais. Donc peut-être qu'il ne faut pas qu'on nous compte pas qu'il y a un petit bon Dieu, parce que c'est nous qui avons question là. Regardez toute tribu qui est mentionnée là, tout a un problème. Tout en Afrique a un problème, et en Haïti, nous sommes encore sujet de problème. Donc c'est ça que pour nous voir que la malédiction de Deutéronome 28, par contre, l'autre peuple dans le monde, chinois pas qu'à dire c'est eux-mêmes, et arabes pas qu'à dire c'est eux-mêmes, juifs blancs pas qu'à dire c'est eux-mêmes, et les européens blancs pas qu'à dire c'est eux-mêmes, et russes pas qu'à dire c'est eux-mêmes, et dans le pays dans le monde qui a dit c'est à nous que bagage s'est attaché à nous-mêmes jusqu'à présent. C'est le peuple noir là qui aurait les toutes qualités non, haïtien, jamaïcain, américain noir. Il a brûlé en malédiction. Mais nous avons sorti en balle. Son Américain dit que ça, we've got a monkey on our back. We could remove that monkey. Nous sommes capables de retirer comme macaque ça que ce donne. Et puis nous,
débarrassez-nous de ces choses. Oh, chers amis, l'Éternel te dispersera, dans verset 64, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu ni toi, ni tes pères, ni du bois et de la pierre. Donc, l'Éternel dit son peuple qui parmi les nations. Là encore, son autre signe pour montrer qui est Israël. Son autre peuple qui a servi l'autre peuple parmi les nations. Nous en Martinique, nous en Guadeloupe, nous en Brésil, nous en Haïti, nous en Cuba. Toute nation est en noir, toute blanc est en noir à gouverner. Et pas oublier, même si vous êtes dans ces pays, vous êtes toujours gouverné par des étrangers. Tout pays dans le Caraïbe là, qui est sorti en bas d'Angleterre, c'est l'Angleterre qui a gouverné. Tout pays qui est sorti, excepté Haïti qui est en bas la France, Américain passé mes souliers en 1915, dit la France, t'es quel autre business, moi je prends ici à Haïti. Donc tout pays qui est côté peuple israélien, tout n'a servi l'autre nation jusqu'à présent. Jusqu'à aujourd'hui, en Haïti, le président pas pour nous, le président sont monde qui mettait pour nous. Et Afrique, c'est même bagarre là. Afrique, on pas que le président qui mettait. Afrique, c'est pas président nous, yoye. Nous, peut-être, nous racontons ça. C'est président. Et Afrique, autour, peut-être, sous la place, on a fait même bagarre là, tout passé au coincé, on pas qu'à faire, non, on pas malédiction, on pas produit. Le peuple n'a pas produit. Peuple ingénieur, nous pas qu'à mettre ensemble pour faire bâtiment, nous pour faire avion, nous pour faire armes, nous faire toute bagarre, pour faire payer nos machines, nous pas qu'à elle parce que nous pas malédiction sur étrangers, même c'est dans mais on a tant nous dépend de eux. Donc ces malédictions on a roulé en bas. L'Éternel ben nous secret, ah oui, retourner à la loi de Moïse. Retourner dans l'Ancien Testament. Retourner dans bagarre ça et puis l'Éternel a commencé à lever malédiction ça pour nous. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre et là tu serviras d'autres dieux. Tu ne pourrais connaître. Il y a servi Marie, il y a servi cet âge de grâce, c'est là, Saint-Pierre, Saint-Jacques. Et tout le monde, c'est religion blanche et idolâtrie en superlatif. Regardez au Brésil, pour avoir un gros ton statue Jésus-Christ blanc. Et pourtant, Jésus-Christ est un homme noir, mais il a fait tout le monde adorer statue. Donc c'est idolâtrie. La vie dit pendant nous, parmi les nations, nous parlons idolâtre. Aïe, aïe, aïe. Verset 66 plutôt. Tu verras, ta vie sera comme en suspens devant toi, et tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur, et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et encore, dans verset 68 là, qui ont douté pour sa dernière fois, et d'ouvre sa queue, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, qui veut dire l'Éternel a fait retourner un bateau en Afrique, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, qui va être dans le même chemin de te sortir en Égypte là, pour nous aller en Afrique là, traverser la mer Rouge, et puis passer par le désert de Saoudi-Arabie, pour nous faire conquête de tout notre pays, on a pour retourner dans le même chemin sans encore, mais cette fois-ci, l'Éternel n'est pas là pour faire miracle pour nous pouvoir la mer Rouge, c'est pas bateau dans le passé. Et il continue, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrez en vente à vos ennemis. Quand nous arrivons en Afrique, là, ils vont offrir nous en vente. Mon Israélite, l'habitude, c'est pour vendre. Mon Israélite pour vendre là. Il y a vendre nous à qui monde? Nos ennemis. Qui veut dire blanc, c'est ennemi qui t'a acheté nous. C'est plus grand mal le privé. Si c'est un amour qui t'a acheté, il y a une chance. Mais ennemi nous, c'est qui t'a acheté nous. Là, vous offrez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Chers amis, Captain Demla, je souhaite que par la grâce de Dieu, nous sommes capables que et Deutéronome 28, pas parler de l'autre peuple que nous-mêmes, comme peuple de la Bible. Maintenant, dans Ésaïe chapitre 3, nous ne sommes pas pour nous prendre tout Ésaïe chapitre 3 aujourd'hui. Et nous parlons, il passer sur lui, nous parlons que la Bible parle de et cheveux mon noir, pas cheveux croates. cheveux mon noir, pas cheveux croates. Et le Seigneur va ôter, l'Éternel des armées va ôter de Jérusalem tout appui de ressources, toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Et la Bible dit ça que le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan, le distingué et l'habile enchanteur, je leur donnerai des jeunes gens pour chef. Et des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. L'Éternel dit que ça commence par faire nous venir. Parce que là, il mentionnait un chanteur qui veut dire son peuple. Nous te songez ça, son peuple qui est magique, la Kali. C'est ça encore, d'autres dieux. Nous vous parler de idolâtrie.
autre dieu, enchantement, c'est même bagala, magique, loup-garou, moun ka fait ça. L'un opprime à l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaqua le vieillard, qui veut dire, parmi mon idolâtre, l'éternel préfère yon attaque l'autre. Yon attaque l'autre. L'éternel préfère yon attaque l'autre. L'homme de rien, celui qui est honoré, on ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Même frère pareil, des pounants magiques ensemble avec elle, même frère pareil, il a bien la carte, il a bien saisi. C'est ça le dit là. Tu as un habit, sois notre chef, et prends ses ruines dans ta main. Ce jour-là, il répondra, je ne serai être un médecin. Dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtements. Ne m'établissez pas. Ça c'est mon qui vient choisir pour chef. Donc on est connu un pile monde qui n'est magique, qui aurait chef. Depuis c'est monde qui n'est magique, enchanteur, tout a besoin président, tout a besoin président, cabocor pour président. Quand t'as qu'à priver, il va chercher pour président, courir. Il dit non, pas besoin chef, pas besoin président. C'est ça qui dit les aïtois. Comme dit le baguette pour nous prendre tout là, toute bagarre vient en contradiction. Toute bagarre là, rité dans le bon sens, non, retourner à la loi. Bon Dieu remet nous. Notez ça, dans Amos chapitre 3, l'Éternel dit comme ça que il ne connaît pas d'autre famille sur la terre que toi seul, ô Israël. C'est pour cette raison qu'il ne pourrait pas nous laisser impunis. Et si nous retournons dans le bon sens, nous, Deutéronome 30, si nous retournons à la loi de l'Éternel, l'Éternel nous bénira encore davantage. Il a béni nous plus qu'il a été béni dans le passé. Mais il faut nous faire effort. Et pour ça, l'Évangile là, la Bible dit que ça, je n'étais envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'étais envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, c'est ça que nous parlons là. C'est ça que nous voyons, chers amis, que dans les jours à venir, que l'Éternel est à pouvoir faire du bien pour nous. Et mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, ils corrompent la voie que laquelle que tu marches. Nous parlons de son peuple aussi bien qu'il y a plus de femmes sur Yoronia. Toute l'église qu'on a, femme pasteur, nous parlons de femme président, ça encore c'est pour la destruction du peuple. C'est ça que la Bible dit. Et pas moi qui dis non. Et pas un bagage comme contre la femme. C'est ça la Bible dit là. L'Éternel dit comme ça que et pendant qu'il y a fait magie, il y a fait idolâtrie, il y a remis ceci, il y a fait sur toute bagage. Et puis l'Éternel dit comme ça que pour le mettre femme sur eux et femme pour le diriger vers la destruction. L'Éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple, avec son chef. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit avez-vous foulé mon peuple? Là encore, l'Éternel a jugé l'autre nation. Moun qui suivent radio-mca.net, nous parlons que l'Apocalypse, c'est jugement peuple bon Dieu par les autres nations. Et en même temps, bon Dieu parle punir l'autre nation encore. C'est ça qu'a parlé là. Mais c'est la même parole là. L'Apocalypse, c'est jugement peuple bon Dieu. Jusqu'à ce que bon Dieu a venu, bon Dieu parle nettoyer. Peuple y a, après ça, il va punir les nations, puis le monde de la nation va mourir, mais deux tiers de mi-temps nous va périr. Nous avons vu ça dans Zacharie 13, deux tiers de mi-temps, le peuple nous va périr, parce que nous péchons. Mais qui péché dans mi-temps, non. Le peuple n'a pas l'étendu, on va parler, plutôt attaquer, plutôt railler, mais on va parler pour propre bien, on va l'étendu. C'est ça qui a prouvé là. Deux tiers va l'éliminer. L'habitude va dans un délire qui veut dire, you're mad. Vous êtes à droite, à gauche. Mais prédicateur, tu viens parler, il va attendre. Oh! Ma proverbe 17 là, pour capable de terminer. Là, dit comme ça que le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira la nudité en ce jour-là, et le Seigneur ôtera les boucs qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets, les croissants et les pendants d'oreilles. L'Éternel dit comme ça, il parle couper cheveux, peuple Sion. Nous parlons plus de mesdames noires, cheveux autant qu'on a faux, cheveux, il y a pas ton paquet de faux cheveux chinois avec la tête. Mais là, l'Éternel dit, nous t'es grand plus cheveux longtemps, mesdames. Si nous retournons à la loi de l'Éternel, l'Éternel pousse ses cheveux encore. Mais pour le moment qu'on y a, pendant nous faire rebelles, nous avons acheté faux cheveux chinois, faux cheveux indiens, faux cheveux brésiliens, et pour nous mettre dans la tête. Non? Mais nous avons des belles cheveux. Nous songeons l'histoire de Marie-Madeleine qui était venue nettoyer les pieds de Jésus-Christ. C'est une femme noire, Marie-Madeleine, elle n'est pas une femme blanche, non, une femme noire, elle était plein de cheveux dans la tête, elle était abtissée les pieds de Jésus-Christ. Lui-même, il n'est pas de quoi, malédiction, pas de quoi raide comme ça. Et tout le passé à travers les âges, mesdames ont des longs cheveux dans la tête. Mais malédiction imposée sur nous qui fait que nous retirons. Bon Dieu fait nous. Sans honte. Donc, chers amis, nous avons été là, je dis. Nous avons que malédiction déclinée, Lévitique 26, Deutéronome 28, Ésaïe 3. Gapino qui prend la boutique en fait, tel que grand massacre d'élimination, beaucoup de gens parmi le peuple noir là. Malheureusement.
pas voulu tendre, ne pas aimer loi, ne pas aimer sur principe. Donc, qui va causer la destruction beaucoup de peuples noirs. Donc, c'est vite non, bientôt à mon or, et je souhaitais que nous étions encore. Nous parlons grand pilote bagaille, conseillez-nous, nous allons dans radio-mca.net pour nous prendre pilote bonne information parce que grand pile bagaille avancé que nous baillons dans radio-mca.net. Ou bien, amenez-nous dans Facebook, radio-mca.net, ou bien Maranatha qui se revient dans Facebook, et puis, nous allons aussi apprendre beaucoup de choses. Que bon Dieu bénisse nous. Ciao.